4 ans après avoir été supprimée des antennes de France Télévisions, l'émission baptisée La Fête de la Chanson Française sera de retour sur France 2 samedi 9 janvier 2021, à partir de 21h05. Par cette démarche, le groupe audiovisuel public entend soutenir les artistes qui ont particulièrement été touchés par la crise sanitaire en 2020. Incarné pendant 11 ans par Daniela Lomebrosso, le programme sera présenté par le duo composé de l'animatrice Laurie Timan et du musicien André Manoukian. Toutefois, Daniela Lomebrosso reste attachée à cette émission, étant donné qu'elle en est la productrice. Au cours de ce programme, les plus grands artistes de la scène musicale française se retrouvent pour chanter ensemble au sein de la mythique salle de l'Olympia, afin de célébrer la musique et d'offrir un grand spectacle pour faire la fête. Des moments inédits autour de Beuh, de reprises hommages à Georges Brassens, Daniel Balavoine, Charles Aznavour, Johnny Hallyday. Des tableaux des plus belles chansons de notre répertoire musical et aussi beaucoup d'autres surprises, précise France 2 dans son communiqué. La fête de la chanson française, une soirée pour encourager les auteurs, compositeurs et interprètes qui continuent à chanter en langue française. Parmi les artistes présents ce soir-là, les téléspectateurs retrouveront notamment Amir, Patrick Fiori, Camélia Jordana, Florent Pagny, Elsa Zilberstein, Kenji Girac, Jean-Baptiste Guégan, Sylvie Vartan, Gérard Lenormand, Vianney, Thomas Dutronc, Patrick Bruel, Dany Briand, Amel Bent, Attic, Pascal Obispo, Claudio Capeo et Chimène Badi. Au programme, les 100 ans de la naissance de Brassens avec Vianney, Patrick Bruel et Thomas Dutronc, une surprise émouvante pour Sylvie Vartan, un tableau autour des chansons de Johnny Hallyday avec Pascal Obispo, Claudio Capeo, Jean-Baptiste Guégan et Chimène Badi, les plus belles chansons de Charles Aznavour, des images d'archives, et les anecdotes d'André Manoukian. De plus, 35 ans après sa mort, Daniel Balavoine sera mis à l'honneur.